l'Esprit du Seigneur. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Bien-aimés du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. Comme le psalmiste, aujourd'hui nous aussi nous pouvons dire, voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Oui, chers frères et sœurs, aujourd'hui est un jour de fête et de joie, car l'Esprit Saint nous est venu. La promesse que nous a faite, le Fils a été réalisée. Ainsi, nous pouvons dire avec joie, merci Seigneur. Nous pouvons répéter ensemble, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que le Seigneur a tenu sa promesse. Et si nous observons dans toute la Sainte Écriture, la Bible, nous verrons que les promesses du Seigneur ont été toujours tenues et ces promesses se sont toujours réalisées. Aujourd'hui, nous célébrons avec joie la fête de la Pentecôte, une célébration qui est une fête 50 jours après la Pâque. Cette fête est en mémoire de la descente du Saint-Esprit sur les apôtres. En effet, les trois tests de ce jour soulignent le fait que l'Esprit Saint a été donné aux apôtres en vue de la mission. Cela ressort aussi clairement dans le récit de l'Évangile de Saint Jean, Jean 1, verset 19 à 23, que la description même de l'événement de la Pentecôte au livre des apôtres, c'est-à-dire dans la première lecture, Actes des apôtres, 2, 1 à 11. Saint Paul aussi, dans sa lettre aux Corinthiens, première lettre 12, 3 à 7, puis 12 à 13. Il nous présente ici l'Esprit comme le principe de l'unité de l'Église dans la diversité de ses ministères. Chers frères et sœurs, nous pouvons voir ici Jésus ressuscité qui se manifeste aux apôtres réunis parce qu'ils avaient peur, les Juifs. Puis Jésus, après leur avoir donné sa paix, souffle sur eux, ce qui nous rappelle dans la première lecture le violent coup de vent qui souffle dans le cénacle. Quant aux langues de feu qui descendent en silence sur les douze, elle est ici remplacée par les paroles de Jésus, recevez l'Esprit Saint. Ainsi se réalise ce que Jésus avait annoncé. Je suis venu jeter un feu sur la terre, nous dit l'Évangile de Luc, Luc 12, verset 49. Et comme ce prophète l'a dit, et que nous pouvons aussi nous le rappeler, Saint Jean-Baptiste qui disait, Jésus viendra baptiser dans l'Esprit et le feu. Ainsi donc, Saint Jean lit ce don de l'Esprit Saint au pouvoir de remettre les péchés. Ce pouvoir, les apôtres vont le saisir dès le jour de la Pentecôte en baptisant tous ceux qui leur demandent, frères, que devons-nous faire pour avoir la vie éternelle? Car, comme nous le savons, le baptême est donné pour la rémission des péchés, comme nous le précisons si bien dans le Credo. Ainsi, ce jour, tout est accompli, car le Seigneur a vaincu la mort. Il est entré dans la gloire du Père. Le Seigneur est vraiment vivant. Il s'est manifesté, ressuscité à ses témoins,
Puis il est remonté vers le Père. Il a envoyé l'Esprit Saint qui procède du Père par le Fils. Alors commence ce temps de la Pentecôte durant laquelle chaque génération est invitée à rentrer dans ce royaume. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit Saint se manifeste comme un souffle puissant, comme une présence nouvelle qui comble, fortifie, comme un feu qui embrase et donne de témoigner avec assurance du Christ ressuscité. Les manifestations de l'Esprit, les dons spirituels sont nombreux et variés, mais c'est le même et unique Esprit Saint qui est à l'œuvre librement, qui agit ainsi en chacun de nous, comme nous l'avons entendu dans la première lecture. Lui, le don parfait venant du Père par le Fils, ne se donne jamais sans apporter avec lui des cadeaux, les dons d'une grâce multiple et inépuisable. Pour discerner, c'est-à-dire reconnaître l'œuvre de l'Esprit dans les cœurs et dans les vies, la tradition spirituelle et la théologie catholique ont, à partir de la révélation, distingué différentes formes de manifestation de l'Esprit. Il y a d'abord ce que nous appelons proprement les dons de l'Esprit. Et les dons de l'Esprit ont été cités dans le livre du prophète Isaïe. Et là, nous pouvons voir clairement cités les sept dons de l'Esprit. Il y a également ce que saint Paul, dans sa lettre aux Galates, appelle les fruits de l'Esprit, qui est ce rayonnement de la charité dans toute la vie chrétienne. Nous appelons ainsi ces fruits dans notre vie afin que nous puissions croître spirituellement et saintement dans notre vie. Il y a aussi ce que nous appelons les charismes qui ont été cités par saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, qui sont aussi des manifestations de l'Esprit en vue du bien commun. En parlant des fruits, les fruits de l'Esprit Saint sont l'épanouissement de la grâce, de la charité divine, de tout ce qui compose la spiritualité dans l'homme. On pourrait dire, pour employer une autre image de l'Écriture, que ce rayonnement plébier de celui qui se laisse investir par l'Esprit est en bon terme avec le Christ et reflète un bon parfum, une belle odeur. Nous avons aussi ce que nous appelons les charismes. Selon la définition du Concile Vatican II, les charismes sont des grâces spéciales qui rendent aptes et prompts à assurer des activités et des services divers, utiles au renouvellement et à la croissance de l'Église. Le charisme, ou les charismes dont nous parle saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, sont divers comme je viens de le dire, et nous pouvons citer le parler en langue, la prophétie, l'interprétation de la langue, les paroles de connaissance, les charismes de guérison, il y en a plusieurs. Tandis qu'aux sept dons dont je venais de parler, qui sont la force, la sagesse, la crainte de Dieu, l'intelligence, la piété et tout ce qui va de plus, nous permet de pouvoir sanctifier notre propre vie au détriment de ce que nous sommes. Et tout ça, qui à la base, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit qui nous communique sa force afin que nous puissions mieux aller de l'avant, mieux nous approcher de celui qui nous a créés à son admirable lumière. Eh bien, chers frères et sœurs, nous ne pouvons pas tout développer sur l'Esprit Saint aujourd'hui,
Mais l'Esprit Saint lui-même nous éclairera afin que nous puissions mieux comprendre, mieux saisir ce qu'il est venu nous apporter. Que chacun de nous entre en lui-même en ce moment et demande la grâce à l'Esprit Saint. Que chacun rentre en lui-même et implore le Père qu'il fasse descendre l'Esprit Saint comme il a fait le jour de la Pentecôte avec les disciples. Et que nous puissions recueillir les fruits de ces dons. Et que ces sept dons agissent en nous. Que ces sept dons ne dorment pas en nous, mais que ces sept dons soient pour sa plus grande gloire. Ainsi, avec moi, nous allons répéter cette prière. Esprit Saint, souffle de Dieu, qui sort de la boussole des fils. Ne cesse d'animer les chrétiens par tes sept dons. Emplis-nous de ta grâce afin que nous puissions être dignes d'être appelés fils et filles de Dieu. Que ces sept dons ne demeurent pas tristes dans notre vie. Mais que ces sept dons nous apportent la joie et la paix, afin que nous puissions nous approcher de plus en plus de la paix. Nous implorons aussi l'assistance de la Sainte Vierge Marie. Elle est présente au Sénat, afin que nous puissions aussi donnez le bleu de vous-même. Amen. Et pour finir, j'implore la grâce de Dieu et la bénédiction de l'Esprit Saint, que son souffle descende sur tout le chacun de nous, afin que nous soyons guéris de toutes nos blessures, afin que nous soyons purifiés de toutes nos souillures, et que nous nous approchions de plus en plus de l'Esprit Saint. Le Seigneur soit avec vous.